Voici ce qui a été découvert il y a quelques jours et qui représente la dernière révélation de Nostradamus sur la catastrophe du Rond Nord. Ce que nous allons découvrir est une des plus belles preuves de révélation de Nostradamus, mais surtout de son écriture secrète. Malheureusement, au cours des siècles, les textes ont été corrigés et donc le résultat de décryptage ne sont pas les mêmes. Je travaille à partir de 3 éditions différentes, ce qui alourdit considérablement la tâche. Je reconnais que la centurie numéro 3 est la centurie qui me fait le plus peur. J'ai énormément de craintes à son sujet. Vous allez découvrir pourquoi. Avant de continuer, je voudrais remercier quelques personnes qui m'ont fait parvenir des dons. Alors je remercie Sylviane Noël R. de Charente et Baruch C. de Charente également, Lair C. de Bordeaux, Pierre G. de Ingres, Arnaud B. de Chide et Bernard B. de Béziers, plus toutes les personnes qui m'ont commandé un ou plusieurs livres. Je vous remercie infiniment de m'avoir aidé. Voici le quatrain 53 de la troisième centurie. Quand le plus grand emportera le prix, de Nuremberg, d'Augsbourg et ceux de Bâle, par Agrippine, chef Francfort repris, transverseront par Flamand jusqu'en Galles. Ce sera la dernière ligne soulignée en bleu qui sera concernée par le décryptage du texte. Voici la quatrième ligne du quatrain 53, soulignée en bleu. Cette ligne doit s'inverser totalement, si bien que la première lettre de cette ligne deviendra la dernière lettre de la ligne écrite en bleu. Ainsi, la ligne est entièrement écrite à l'envers. Voici un des secrets d'expression de Nostradamus. Voici comment nous devions ranger les mots possédant une valeur linguistique. Ce sera à nous de ranger les lettres, groupes de lettres et pieds poétiques autant de fois qu'il y aura de signification. Toutes les significations mises les unes au bout des autres permettront de découvrir le texte caché. Voici le texte qui se dissimule dans la ligne en jaune. Une autre époque, vous aurez la géhenne qui naîtra. De ces usages d'expression sera l'essai de la connaissance obtenue de ce cryptage. Sera suivi par mes visions. Ici même sera les scènes d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Il aura l'âme de l'amas du mal. Il marchera là et fera une frappe qui aura le pouvoir de faire péter le Rond Nord. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, tout sera rasé. Ce sera les hommes US de la scène de ce sous-marin nucléaire d'attaque. La haine sera dans la narration de cet art. Ce sera l'accusation qui sera telle que là vous aurez l'époque de cette géhenne qui naîtra. Nostradamus écrit très souvent dans ses textes qu'il me voit et qu'il m'entend. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. J'ai fait pendant plus de 20 ans le tour de la rade pour les touristes l'été à Toulon. Et en 20 ans, j'ai vu des centaines de SNA et quelques-uns étaient des SNLE, mais très rares puisque leur base principale est à Brest. J'ai vu ces sous-marins sortir et rentrer dans la rade de Toulon. Nous en faisions au micro la description, l'armement, la longueur, la largeur de ces sous-marins aux touristes. Nostradamus a été très souvent à mes côtés, si bien qu'il utilise souvent certaines anecdotes. La première fois que j'ai eu le mot SNA dans les textes, je suis resté longtemps dans l'expectative. Est-ce vrai? Est-ce faux? Si bien qu'un jour j'ai parlé tout haut, chez moi, à Nostradamus et lui demandé si c'était bien un sous-marin. Et quelques quatrains plus loin, il écrivait SNA, mais cette fois avec le mot navire à côté, afin de bien faire comprendre la véracité de ma version. Cela peut paraître fou, mais c'est la stricte vérité. Et je n'y peux rien. De toutes les façons, le monde se dirige vers une catastrophe et il faut bien un miracle pour pouvoir persuader un maximum de personnes pour comprendre qu'il va se produire quelque chose et de prévoir l'issue. Voilà pourquoi les textes existent. Le positionnement des mots a été pratiqué en inscrivant 40 fois la ligne écrite à l'envers afin qu'aucune signification ne passe à travers. Les sélections sont écrites en bleu. Il y aura 3 pages d'analyse sans leçon. La durée de chacune des pages sera de 10 secondes. Ce sera à vous d'arrêter le diaporama afin d'examiner plus longuement le positionnement des mots. Ensuite, vous aurez les analyses, sans leçon également. Vous aurez
l'étymologie de chacun des mots. Les pages ne dureront que 10 secondes. Ce sera à vous d'arrêter le diaporama afin de lire plus longuement. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Maintenant, vous êtes au courant de la destinée du monde, en espérant que beaucoup d'entre nous prévoiront une issue. À bientôt.